Racontez-moi comment est né un peu ces problèmes, ce pari un peu fou. Ce pari un peu fou, j'avais vu le fameux centenaire, là, quand il avait fait un record. Puis un jour, il y a un copain qui est venu me voir, on discutait comme ça, puis il me dit « Pourquoi tu ne ferais pas le record de 80 ?» Et puis c'est parti comme ça. Je lui dis « Tiens, oui, pourquoi pas ?» Puis voilà. Alors, j'ai dit « Ben maintenant, j'ai plus qu'à m'employer, à m'entraîner, puis le faire, quoi. » Et ça fait combien de temps que vous préparez ce record ? Officiellement, à l'entraînement sur la piste, ça fait 2 mois et demi que je roule 3 fois par semaine sur la piste. Pour m'habituer à la piste, m'habituer au vélo de piste, parce que moi je ne suis pas un pissard, alors je n'ai jamais couru sur la piste. J'en ai fait un tout petit peu comme ça, mais c'est tout. Puis la piste de Dijon, elle est sévère. Hein. Tout est gagné. Et c'est parti, on applaudit. Merci de vous être à tous pour aider la montée. Les conditions météo ne sont pas exceptionnelles. Ah, tant pis, on le fera quand même. Pour ne pas décevoir tout le monde. Puis comme c'est une chose qu'on ne peut pas remettre au lendemain, c'est à cause des officiels, tout ça. Puis comme si on ne la faisait pas enregistrer officiellement. Record, bon, on pourrait se décaler d'une journée ou deux, mais là c'est pas possible. ...42 43 703 et 29 844. Parlez-moi un peu de vous, le cyclisme, j'imagine que ça remonte à loin. Ah oui, j'avais 17 ans. Alors j'ai couru un peu en amateur, un petit amateur. Et puis bon, j'ai gagné quelques courses, pas des temps. Hein. Là, le record de l'heure, vous pensez établir, vous le situez à peu près à quel niveau ? Là, c'est-à-dire qu'on s'était fait un programme, mais vis-à-vis du vent, j'ai peur de perdre 2 km. Je m'étais établi surtout 32, mais ça risque d'être dur hein, avec le vent. Alors, on verra bien. Hein. Mais je vais penser de faire quand même au-dessus de 30. Alors, profitez-en pour admirer le champion avec des jambes à foutre, un visage marqué, mais que de bonheur. J'ai mal là. C'était plus dur que prévu, ou comment vous l'avez senti? Oui, il y avait du vent là-bas. Ouais. Mais je le savais, je m'en doutais. Hein. S'il y a des amateurs hein, qui viennent de faire. Hein. Vous avez placé la barre haute quand même ou pas alors? Vous avez pas la barre des 30 km/h, vous êtes ouais. S'il n'y avait pas eu ce vent là, j'aurais pu faire plus. Là, c'est le vent. Oui, ça fait du bien de récupérer. On va y tenir, vas-y. Vas-y, jetez. Voilà, hein, vous voyez la difficulté, les muscles sont...